En pratiquant un jour, on progresse d'un jour. En ne pratiquant pas un jour, on régresse de 10 jours. Durant ce cours, nous allons réviser les mouvements appris durant les 3 cours précédents. Ils constituent la 4e partie de la forme du Kung Fu de l'éventail. Préparez-vous, détendez-vous bien et concentrez-vous. Nous allons commencer la pratique. Chasser les lucioles avec l'éventail. Je fais ce mouvement une fois, regardez bien. L'éventail dans la main droite, on tourne la taille à gauche, ce qui le ramène. Ensuite, on tourne à droite, on avance, puis on étend l'éventail devant. Le bras doit être quasiment tendu et l'éventail ouvert. Pratiquez avec moi, chassez les lucioles avec l'éventail. Les deux pieds ébranlent la terre. Les deux pieds ébranlent la terre exigent de sortir la force en même temps au niveau des pieds. Après le pas, on doit emmagasiner l'énergie, puis sauter et atterrir les deux pieds en même temps. Pratiquez avec moi, les deux pieds ébranlent la terre. Le coup de talon. Dans le coup de talon, la poussée de l'éventail et le coup de talon sont simultanés. Regardez-moi le faire une fois. On continue avec le prochain mouvement, le piquage. On doit piquer avec le maximum d'énergie, loin devant, la force atteignant la face de l'éventail. Pratiquez avec moi le coup de talon. Pratiquez l'enchaînement des mouvements avec moi. Le Kung Fu de l'éventail est un sport d'entretien. Il contient la quintessence du Wushu traditionnel. Il allie savamment la danse de l'éventail à l'habileté et à la fluidité du Tai Chi. C'est une synthèse de mouvements de plusieurs styles de Tai Chi Chuan, d'épée du Tai Chi, d'opéra de Pékin, de danse, etc. C'est également très populaire parmi les pratiquants étrangers de Wushu. L'éventail du Kung Fu est plus qu'un objet intéressant, c'est comme un puzzle. Il semble être un simple objet pour se rafraîchir en l'occurrence, et c'est très bien. Mais il a plein d'autres utilisations dans la forme et au combat. Par exemple, il peut cacher le mouvement des jambes ou il peut servir à bloquer le poignet. C'est très intéressant et excitant. Voilà pourquoi j'ai essayé le Kung Fu de l'éventail et le Tai Chi. Si on veut prendre encore plus de plaisir dans le Kung Fu de l'éventail, il faut consolider les bases et pratiquer plus. Nous continuons donc la révision. Cacher la main et tournoyer du poing. Dans cacher la main et tournoyer du poing, il faut bien coordonner l'ouverture de l'éventail avec les deux mains qui finissent ensemble. Regardez-moi le faire une fois. L'éventail doit sortir un son fort et sec. Pratiquez avec moi, cacher la main et tournoyer du poing.
bel oiseau entre dans la forêt. Revoyons les points clés de « Le bel oiseau entre dans la forêt ». Lors de ce mouvement, la rotation du corps et l'ouverture de l'éventail sont coordonnées et se font ensemble. Regardez-moi le faire à nouveau. Quand on retourne la main et qu'on ouvre l'éventail, on passe en position de l'arc. Pratiquez avec moi, le bel oiseau entre dans la forêt. Le recouvrage par la fleur de pêcher. Revoyons les points clés de « Le recouvrage par la fleur de pêcher ». Les mains doivent être liées et coordonnées, et on recule en même temps. Bien, regardez-moi le faire à nouveau. Pratiquez avec moi le recouvrage par la fleur de pêcher. Maintenant, pratiquons l'enchaînement des mouvements de secours. La réunification des cinq éléments. La réunification des cinq éléments est surtout un exercice pour les déplacements et les techniques de corps. Il est assez complexe, nous allons donc le décomposer. On commence par pratiquer les pas, puis les mouvements des mains. On essaie la décomposition. On commence par les pas car les déplacements sont primordiaux. On met de côté les mouvements des mains pour l'instant. On ouvre le pas, on ferme le pas, on ouvre le pas et on referme le pas. L'ensemble du mouvement comprend 5 pas. On refait une fois. Regardez les pas. À partir d'ici, un pas, deux pas, trois pas, quatre pas et 5 pas. Après avoir fermé le pas, on fait passer l'éventail. Lors du passage de l'éventail, on recule, puis on ramène la jambe. Ensuite, il y a un coup de pied du lotus. Pratiquons-le séparément. Faisons-le d'abord une fois. Après avoir posé le pied, on ouvre le bras de l'éventail. Pratiquez avec moi la réunification des cinq éléments. Le retour au Tahiti. Le retour au Tahiti est l'avant-dernier mouvement de la forme. Il nous demande de descendre le qi dans le bas-ventre, de rééquilibrer le yin et le yang et de revenir à l'état initial. Faisons ce mouvement une fois. L'éventail dans la main droite, on appuie depuis la tête vers le bas. Puis le qi descend dans le bas-ventre. On refait une fois. On appuie avec l'éventail, le qi descend dans le bas-ventre et on enlace l'éventail en position du cavalier.
pratiquer avec moi le retour au Tai Chi. Maintenant, on révise fermeture. Fermeture est un mouvement qui régule la respiration et où le chi descend dans le bas-ventre. L'ensemble du mouvement donne aux autres la sensation qu'on est calme et détendu. Maintenant, pratiquons ce mouvement. On ouvre les mains. L'éventail dans la main droite, on ferme l'éventail, on le passe à l'autre main et on change de main. Puis quand on se redresse, on appuie avec les mains, la tête pointe vers le haut et le chi descend. On lève le pied gauche et on le ramène lentement. Pratiquez avec moi, fermeture. Maintenant, pratiquons l'enchaînement des mouvements. À présent, pratiquons ensemble les mouvements de la quatrième partie de la forme. C'était donc le dernier cours de l'étude de la forme du Kung Fu de l'éventail du style Kaiyuan. Continuez à suivre nos nouveaux programmes. Au revoir.